Là, on arrive à la vacherie de la Gordelasque où il y a du bon fromage. Et on va se garer juste après dans le virage. Hop. Et à partir de là, on va faire une centaine de mètres pour aller prendre le chemin du Capelet, juste là à gauche. On commence à randonner en passant devant une très jolie maison. Ainsi que devant un magnifique châtaignier. Alors en arrivant juste devant l'hôtel du Grand Capelet, on tourne tout de suite à droite. Et on suit le petit chemin qui est là. À une centaine de mètres, on traverse le petit ruisseau. Alors, on ne va pas à droite, c'est Malaberg, pour ceux qui connaissent. On continue à gauche. Tout de suite après, on continue à travers le pré. Juste en dessous du pylône là-haut et un peu en direction du pylône qui est au fond là-bas. On passe à droite du petit pylône et à gauche d'une maison qui n'est pas encore en ruine. Et on continue au bord du pré. Et en bas, bah, c'est la Gordelasque. Avec le bruit de l'eau, c'est très sympathique. Tout juste après, on arrive sur un bel ensemble rocheux qui est très joli et on va se diriger vers les éboulis qui sont là-bas. On va les traverser jusqu'à arriver au dernier, au bord de la forêt. On monte donc bien en travers dans l'éboulis jusqu'à arriver au dernier éboulis qu'on va grimper pour arriver vers le gros rocher là. On laisse sur sa droite le grand pylône qu'on voit à travers les arbres. Les cailloux de l'éboulis sont assez roulants quand même. Arrivé au gros rocher, on va passer juste à sa gauche et après on va continuer à monter à travers la Pinède. On grimpe à peu près tout droit, il y a pas mal de petites sentes ou des drailles pour ceux qui connaissent le mot. Et on arrive vers ces rochers qu'on va suivre sur leur droite, à gauche d'un petit éboulis. On suit bien les rochers. En longeant les rochers, on arrive juste au-dessus du petit éboulis. Et là, on va se diriger au-dessus du rocher qu'on aperçoit là. Nous y voilà. On va juste aller voir la vue à quelques mètres. Et ensuite, on va se diriger à gauche du piton rocheux qui est au sommet des boulis là-haut. On a une vue magnifique sur le haut de la vallée habitée de la Gordelasque. En face, là-bas, c'est la vacherie de la Gordelasque, ou vacherie de la Valette. En bas, on ne voit pas l'hôtel du Grand Capelet, qui est juste derrière le pylône. Hein. Donc c'est Angiboy ici. Et puis on remonte, hein, jusque vers Saint-Gras, là-bas. Et on continue jusqu'à arriver tout au fond, au pont du Counté. Après, c'est la grande nature, avec toutes ces magnifiques montagnes. Après les boulis grossiers, là, on continue à grimper en travers, dans la
prairie sous la pointe en haut. On peut passer à droite des blocs ou à gauche dans une sorte de petit couloir. La dernière fois j'étais passé à droite, aujourd'hui je suis passé à gauche. Alors ne pas aller se fourvoyer dans les rochers, là c'est pas la peine. Hein. On continue à passer dans les passages herbeux. Ça passe très bien de ce côté-là. On continue à monter. Alors attention, c'est un itinéraire qui est plus fréquenté par les chamois que par les humains. C'est très dangereux. Surtout ne pas y mettre les pieds quand c'est mouillé. Attention, s'accrocher aux herbes n'est pas un gage de sécurité. Prévoyez des bâtons bien pointus et peut-être aussi un petit piolet sympathique. Allez, on continue, toujours à gauche du piton rocheux, droit devant. Attention aux carlines, hein. Ne pas marcher dessus, ne pas cueillir surtout, c'est interdit formellement. C'est une espèce en voie de disparition qu'il faut absolument protéger. Nous voici dans le passage le plus délicat et le plus dangereux de la montée. Donc pile en dessous du piton rocheux qu'on laisse à droite. Et là on continue à monter tout droit, tout droit. Attention, ça peut être très dangereux et très glissant. Nous voilà au sommet du passage. Et là, on va rendre une petite visite à une vieille cabane, très sympathique. La voilà. La première fois que je suis venu, je ne l'ai même pas vue. C'est après être monté un peu dans les bouliques d'en face, j'ai vu des trucs bizarres. Et j'étais redescendu la visiter. Surtout, ne montez pas dessus. Ce sont des toiles en plastique qu'on ne voit plus. Vous risqueriez de tout casser le toit. Veuillez entrer s'il vous plaît. Il suffit de pousser la porte, pas trop fort pour pas tout casser. Et nous entrons dans la petite cabane. C'est très joli. Il y a encore plein de choses qui traînent. Je ne pense pas qu'il y ait encore des gens qui y viennent. Parce que ça n'a pas bougé depuis un bon moment. Là, c'est la banquette où on dort, apparemment. Là-bas, il y a le paquet de sel. Hein. Au cas où il y en a qui auraient envie de sel. Elle est construite en plein dans les rochers. C'est très joli. Le poêle, c'est très artisanal. Hein. C'est un bidon pour le lait. Et voilà, visite terminée. C'est bien sympathique. Voilà, ça vaudrait quand même le coup de l'entretenir, cette cabane. Elle est chouette. Hein. Ben nous, on va traverser les rochers, là. Légèrement en travers. Et on va rejoindre au-dessus le fil de la crête de Bouscaille. On a fait le plus dur. Ça monte tranquille dans les mélèzes. Pour l'instant, on se maintient à droite des rochers de la crête. On verra plus haut. Un peu plus haut, on a un petit éboulis grossier sur la droite. On se dirige vers une petite baisse. Et de là, on aperçoit à peu près le cheminement qu'on va emprunter en rejoignant
Les pôles herbeuses et boisées à certains endroits. Me voilà sur la croupe herbeuse. Hein. Je continue vers le haut. Alors ici, on peut s'amuser à chercher le relais de Tréminil, qui est tellement bien masqué que on le trouve pas. Avec tous les arbres en arrière-plan. Ensuite, on passe à l'envi sur la crête, un peu à droite, un peu à gauche, en fonction de son plaisir personnel, au milieu des odeurs de serpolet et parfois de crottes de chamois. Et là, je me suis déplacé pour aller voir de jolies fleurs roses de loin qui s'avèrent être des bruyères. C'est très joli. En bas là-bas, on aperçoit Roquebilière. Un peu plus loin, Lantosque. On voit pas bien là, c'est un peu brumeux. Belvédère est caché derrière l'épaule en face là. La première. On aperçoit le premier repère de la crête. Nous y voilà. Il s'agit du point géodésique qui correspond au point 1986 sur la carte IGN. Ensuite, on continue la crête évidemment. En évitant les rochers par la droite ou par la gauche, comme on veut. Voilà, ça monte tranquillement, même parfois au milieu des rochers. Ça passe facile. Et voilà, on aperçoit le deuxième repère. Beaucoup moins stable que le premier, pas sûr qu'il reste longtemps, de la crête. Cette branche bien sèche et bien entourée bougera pas du coup. Ah, le prochain repère est à peine à 100 mètres. C'est un petit bouton indicateur qui va nous indiquer la descente. Voilà, on y est. Vers Angipoy. On voit la trace là, sur le rocher qui indique le chemin. Et pour ceux qui veulent se promener, ils peuvent aller soit vers le mont Joya, qui est un petit peu après cette pointe là-bas. La cime de la Valette. La route est encore assez longue. C'est très sympathique ici. Allez, avant de descendre, un petit tour quand même, parce que le paysage d'ici, c'est magnifique. Avec tous ces dégradés là-bas, c'est formidable. Lecture de paysage, comme ils disent maintenant. Voilà, on arrive du côté du Capelin inférieur et supérieur. Et bien sûr, le diable, là-bas au fond, c'est le Grand Capelet. On a fait le tour.
À quelques mètres du poteau, on trouve le sentier qui au départ part à flanc là tranquillement. Après ça va descendre. Après une centaine de mètres, juste avant d'arriver près de la petite barre là qu'on aperçoit, ça descend brutalement sur la droite et ça va se faufiler entre les mélèzes. Alors c'est pas un sentier de grande randonnée, hein. Mais bon, il se suit très bien. Le but est de rejoindre l'ancienne bergerie qui est juste en dessous là. On va se diriger d'abord vers le gros rocher là. C'est quand même balisé à peu près tout le long. Sous le gros rocher, c'est bien indiqué. Juste en dessous, c'est une ancienne bergerie en ruine. Et là, on va se diriger vers le gros rocher qui est là-bas. Après le rocher, ça passe un peu à flanc. Ça traverse là. Voilà, ensuite on arrive dans l'alpage où il va falloir descendre dans l'herbe direct. Tout en bas, on aperçoit déjà en giboy et la vacherie. Il faut prendre à peu près ça comme point de repère pour descendre. Ça descend tout droit, c'est facile. Et là, on se repère toujours à la vacherie en bas. Petit point vert là et on se dirige vers les deux mélèzes jumeaux là qui sont en bas au pas du pré. Ne pas aller à droite ou à gauche, on se perdrait. Nous voilà tout en bas du pré. Cette longue descente fait mal au guibole là. On est à côté des deux petits mélèzes jumeaux là et on va descendre là sur la droite en travers. En cette période de l'année, au mois de septembre, le sentier est plus évident. Le berger a descendu les moutons qui sont devenus boire un coup au ruisseau. Et là, on va traverser ce petit ruisseau pour arriver là-bas en face, à quelques mètres.
Nous y voilà, on arrive dans un nouveau petit pré qu'on va longer par la gauche. Parce que si on passe au milieu, c'est plein de piquants de toutes sortes. L'automne s'annonce, les coulemelles, les domptes venins qui jaunissent. C'est très joli, j'aime bien. Alors nous voilà au bas du pré, et là on va tourner à gauche et on va traverser le Mélézin, c'est très joli. Un peu plus bas, après un grand lacet qui tourne à droite, on tombe sur un rocher sur lequel on m'a indiqué que plusieurs voies d'escalade avaient été créées. Par contre l'accès, bon, je pense que c'est plutôt par le haut du rocher. Parce que en bas c'est pas facile. Un rocher plus bas, on arrive sur le site historique de Malaberg. Pour savoir exactement ce qui s'y passait, je vous invite à regarder ma vidéo sur Malaberg. Ensuite on continue vers le bas. C'est toujours balisé. Ce sentier est très agréable, bien qu'un peu humide par endroit, mais pas beaucoup. Au bout d'un moment, on arrive au bord du ruisseau de la Valette. Alors là, avant 1947, de mon côté, là, j'étais en France, et juste en face, c'était l'Italie. Allez, on continue. C'est très agréable le bruit du ruisseau. On approche du but. Par moment on voit la civilisation, là un petit pré, puis après on va passer à gauche dans les bois, une jolie pinède. Sympa cette petite pinède. Surtout l'été pour passer sous les arbres, c'est joli. Et nous voilà de retour au petit ruisseau de ce matin, à 100 mètres de l'hôtel du Grand Capelet. Il n'y a plus qu'à rentrer. Et voilà. Retour au point de départ.